Bon Dieu béni, ou en grâce, bon Dieu couvri, ou en cher téléspectateur, téléspectatrice, moi salue chaque ami, frère, soeur, membre et télé-lumière de gloire, dans le nom de Jésus, que bon Dieu m'a capable de bénir. Si yon plaisir pour moi, pour retourner jeune nous encore dans les leçon dominicale 15 octobre, si bon Dieu voulait. Donc, n'a pas dit que grâce Seigneur capable d'entourer et que bon Dieu capable permettre que où était la Kaili pour tout temps. Parce que c'est celle-là nous sommes capables de joindre toute bagaille, c'est celle dans pied nous sommes capables de joindre tout ça que nous besoin. Eh bien, nous allons prier pour nous capables de démarrer avec l'émission d'aujourd'hui. Seigneur, nous disons merci, merci pour grâce, merci pour ça, offert, ça continue à faire pour nous. Merci parce que vous permettez que nous avons un privilège pour nous capables de prêcher parole. Où va bénir chaque ami, frère, nous et qui a côté nous tout partout dans plusieurs pays, dans tout coin du monde, là, et mais qui est grâce ou capable d'entourer. Bénis chaque monde qui peut suivre les sons ça. Et demandez où va cacher nous, pour prions comme ça, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je dis à nous, gagnons le son qui vraiment est porté en pile bagaille pour nous. Et c'est ça nous allons qu'on y a là pour la gloire de Dieu. Nous profiter saluer chaque ancien et nouveau abonné nous remercier ou même qui partager chaque vidéo que nous voyez pour capable permettre que l'évangile aille plus loin. Donc moi dis que mon Dieu bénisse en abondance. Alléluia. Et bien immédiatement nous allons rentrer dans les leçons. Nous gagnons petite leçon qui c'est racheter yo nan grand tribulation. Racheter yo nan grand tribulation. Konnen ou pral di pou mwen comment tit leçon an li di. OK, très bien, bon travail, good job. Mwen espere que nou ap apran et li très bien, très bien. Kounya la nou pral wè lektu leson ki bon nou jwenn. Nou jwenn lektu leson se nan Révélation 7 verset 1 rive nan verset 17. Kounya pral di ki kote nou jwenn lektu leson. Bon travay, very good, very good. Nou se vreman bon étudiant, fast learner, may God bless you. Que bon Dieu bénisse nous. OK? Eh bien, pour nous avancer, nous parlons de texte de nous. Qui bon nous joindre et qui ça le dit? Le vieux texte de roi, c'est dans Révélation 7, verset 16. Il dit, yo pap jam grand goût, yo pap jam soif de l'eau, ni soleil là, ni aucun autre gros chalet pas capable bouler yo. Wow, ça très facile. Ça c'est une grosse expérience que nous gagnons. L'église a enlevé pour nous aller même côté avec Seigneur Jésus. Eh bien, moi connais nous c'est mon très intelligent, intelligente nous y nous pas dire moins qui côté nous joint un texte d'or et qui ça le dit. Très bien, good job, bon travail, bon travail. Eh bien, on a avancé toujours avec le premier point leçon qui dit quatre anges dans quatre coins la terre. Quatre anges dans quatre coins la terre. Quand on va le dire, frère Mio, comment le premier point leçon dit? Ah, je connais ça trop facile, ça, nous ne pouvons pas songer. Que bon Dieu capable de bénir nous en abondance. Nous voulons qu'on ait un deuxième point de leçon qui ça lui dit. Deuxième point de leçon dit qui laisse 144 000 personnes
qui c'est les yoyé, ok? Qui laisse 144 000 monde, qui c'est les yoyé? Ça c'est deuxième point leçon. Qu'on a là, où Waldim, comment deuxième point leçon, les dit. Très bien, bon travail, bon travail. Moi qu'on est et on dit bien, très bien. Et bon Dieu, papa, qui par vie de grâce li, et bénédiction li, sous ou en abondance. Eh bien, pour nous avancer, nous voilà le troisième point de leçon. Qui ça qu'il peut pour nous? Comment troisième point de leçon li dit? Troisième point de leçon li dit, qui moun grand foule devant trône là yé. Qui moun grand foule devant trône là yé. Qu'on y a ou qu'on dit, comment troisième point leçon dit dit. Très bien, très bien. Bon travail, bon travail. Good job. Et nous espérons que bon Dieu pas manquer et vie de grâce li et bénédiction li sous nous en abondance parce que à chaque fois ou habilité pour capable apprendre la parole de Dieu pour mieux comprendre la parole bon Dieu et bien bon Dieu lui-même l'a toujours aidé ou l'a ouvert l'esprit ou bah, plus capacité pour capable mieux comprendre et plus apprendre la parole li avec efficacité. Eh bien, j'aime déjà qu'on est, et nous, pour la question, yo, pour la gloire de Dieu. Pas oublier, nous disons, dans le nouveau système, nous avons utilisé, nous avons fait comme ça, pour picouter, et puis, nous sommes capables de capter et apprendre le son plus vite. D'accord? En nous, et première question, qui ça le dit? Première question, c'est. Qui ça quatre anges dans quatre coins de la terre t'a contrôlé? Ok. Réponse là, c'est. Ok. Réponse là dit. Quatre anges campés dans quatre coins de la terre, il y a qui kembe quatre vents yo pour yo. Pas qu'à souffler. C'était travail ça, Zanjo, yo t'a fait. Yo te kembe quatre vents yo, dans quatre coins de la terre, pour yo pas capable souffler. Deuxième question. Qui ça, cinquième Zanjo, te gen en main? Réponse là, c'est les temples, bon Dieu. Ok? Les temples, bon Dieu. Troisième question. Qui deux fonctions yon mak sou yon esclave? Qui deux fonctions yon mak sou yon esclave? Ok? Réponse là. Premièrement, yo percé oreilles là yon façon ok nous avons dit simple yon façon première réponse c'est yon façon pour ka distinguer yo ok première raison c'est une façon pour être capable distinguer yo et deuxième raison et c'était un signe là te mettez moun là en bas protection mettre li ok. Première réponse, c'est peut-être qu'à distinguer. Deuxième, non. Et c'est parce qu'il était metté esclave ça en bas protection, mettre lui. Très bien. J'espère que vous captez ça, parce qu'il y a petit loup en pile. Quatrième question. Expliquez ça qui est arrivé dans Ézéchiel 9, verset 1er,
Et dans verset 11, expliquez ce qui est arrivé dans Ézéchiel 9, verset 1er, et dans verset 11. Ça, ma petite question, ça a dans l'air pour nous parce que ou capable de répondre seulement ou pour aller dans Ézéchiel 9, 1er, 11. OK? C'est très facilement quitter pour nous répondre. N'a écrit pour moi en bas vidéo, en bas leçon dominicale, explication qui s'est arrivé dans Ézéchiel 9, verset 1er 11. Cinquième question. D'après texte là, qui laisse 144 000 yoye? Eh bien, yo c'est juif. 144 000 moun yo. Yo c'est juif. C'est pas oublié, c'est 144 000 juifs qui pourraient prêcher dernier l'évangile là dans le moment de grande tribulation. Sixième question. Qui est-ce qui va remplacer l'Église comme missionnaire pour prêcher l'évangile? L'Ipalot qui est 144 000 moun yo. Actuellement, c'est l'Église seulement qui a un mandat pour enseigner l'Évangile, pour prêcher l'Évangile. Mais comme l'Église pour l'enlever, comme l'Église pour aller, eh bien, l'Église va sous terre, eh bien, 54 000 personnes, eux-mêmes, bon Dieu pour le roi, pour le blinder, pour le pouvoir, pour être capable de prêcher l'Évangile dans un moment qui est plus difficile, dans un moment qui est plus compliqué. Un moment qui est plus terrible là, qui c'est un moment de grande tribulation. D'accord? Et très important. Septième question. Bail quelques détails sur 144 000 mounios selon Révélation 14, verset 1er, verset 5. Je vais quitter la réponse en l'air pour nous capables de quelques détails sur 144 000 mounios selon Révélation 14, verset 1er, verset 5. Huitième question. Qui laisse grand foule moun devant le trône bon Dieu qui côté au sorti? Ok? Qui laisse grand foule moun devant le trône bon Dieu qui côté au sorti? Huitième question. Et nous avons grand foule moun yo, grand foule moun yo, c'est moun qui pat sauvé. Son bon? Grand foule moun yo, c'est moun qui pat sauvé, qui pas aller dans l'enlèvement, mais qui dérider sur la terre. OK? Parce que sauf moun nan te gon vie qui pat droite avec bon Dieu, ou pat clair. Par exemple, il y a dans l'église, il y a une double vie. L'ennui, il y a une vie, la journée, son autre vie. On voit qui va faire bon Dieu plaisir. Mais tout le monde sait que l'église a enlevé, le monde sait qu'il a été sous la terre. Avec tout le groupe, monde sait c'est le groupe qui a été sous la terre, qui n'est pas allé dans l'enlèvement. Qui côté est sorti, qu'on est, il est sorti dans la grande tribulation. Parce que dans le moment où on va lever là, immédiatement l'église finit d'enlever, c'est la grande tribulation qui va rentrer sous la terre avec un bas gouvernement antichrist. Donc, moun sa yo, y a sorti la grande tribulation. OK? Neuvième et dernière question, c'est selon verset 16 à 17, comment ça va y aller dans le ciel? Selon verset 16 à 17, comment ça va y aller dans le ciel? Là? En nous, ça dit. Verset 16 à 17 dit, yo pa janm gran kou, yo pa janm soif de l'eau. Si mouton an ap mené yo bo sous de l'eau qui bay la vie. C'est comme ça, ça va y aller dans le ciel. Là. Ça, c'est espérance pas moi. C'est espérance pas où. C'est pour ça notre travail, c'est pour ça notre lutte. Au dernier jour, pour nous capables d'aller jouer avec le Seigneur pour tout le temps. Que grâce mon Dieu béni, que grâce Seigneur nous entourer. Pas oublier ses frères Jean-Luc Sen qui est toujours là pour servir.
Dans la leçon dominicale, ça, donc, on a dit, rete la caille Seigneur, rete la caille mon Dieu, servir mon Dieu à tout cœur, à toute intégralité, et permettre que l'aile retourne pour nous réjouir ensemble avec. Et si vous voulez communiquer ensemble avec moi, pour n'importe doute, n'importe information que vous avez besoin sur la Bible, vous pouvez écrire dans 809 966 65 13. Je suis toujours disponible pour capable aider ou mieux comprendre quelques thèmes qui t'apparaissent difficiles dans la Bible que ou pas t'as qu'à comprendre. Eh bien, c'est un plaisir. Pas oublier de souhaiter les lumières de gloire. Partager les leçons dominicales, ça. C'est chaque serviteur servant de mon Dieu ou appartient à l'Église. Si on voit, dans l'assemblée qui vous persévère, il y a les leçons dominicales, il y a les classes de leçons dominicales. Partagez dans la classe pour être capable d'apprendre. Et comme ça, vous aider nous faire travail là, vous contribuer dans le travail ça. Vous capable aider nous construire une nouvelle génération qui croit dans mon Dieu, qui a prêché l'Évangile et qui remet la parole de Dieu. Que grâce mon Dieu couvrir, que grâce Seigneur nous bénir, rete la caille mon Dieu, et les Christ retourner, la vie nous préparer. Que mon Dieu bénir, soyez richement béni au nom de Jésus de Nazareth.